Non, vous inquiétez pas, je suis là en transport juste, donc elle va quitter sans doute sa zone où elle a le droit d'aller. Oh, je crois savoir ce que c'est. Je vous promets que j'essaie pas de deviner, mais vu le nombre de feuilles, vu le PS je t'aime à la fin, et qu'on avait peut-être prévu d'aller quelque part. C'est ça? Putain, mais appelle-moi Sherlock Holmes! Bah, regarde, elle me bienvenue sur ma chaîne YouTube, il est actuellement 4h30 du matin et nous partons à Londres. On est le 14 avril, c'est le jour de mon anniversaire et il y a un an, jour pour jour, je fêtais mon anniversaire en Espagne. Et le jour de mon anniversaire, en fait, on repartait d'Espagne et du coup, j'avais fêté mon anniversaire sur Paris. Et ça, elle était partie me rejoindre et elle fait la surprise de venir. Cette année, on a fait les choses un peu autrement. Ça faisait un moment, ça faisait très longtemps qu'on parlait de partir un petit week-end, pas trop loin non plus, parce qu'on a nos chiennes et puis on avait les travaux de la maison à côté, etc. Puis surtout, on a un très très gros projet de voyage en fin d'année. Donc du coup, ça limite aussi un peu les possibilités. J'ai fait la surprise à Victor du coup de réserver les quelques mois à Londres pour nous deux. Vous savez ce que ça veut dire quand je commence à filmer comme ça? Ça veut dire que je vais vlogger ce petit voyage. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi. C'est à Londres. À Londres, mes chers. À Londres. Bon, on est bien arrivé à Londres, la direction l'hôtel pour déposer les valises. Direction Hyde Park. Et c'est quoi? C'est un bomber de la toute nouvelle collection 2023. Et je suis pas contente. C'est cool. À la vôtre, les enfants. Bon appétit! Non, tu peux en filmer, vas-y, t'arrête pas. Oui, je vous enverrai des photos. Bisous! Ciao, ciao! Vous vous comportez bien dans l'hôtel, hein, bien sûr. On va essayer! Bisous! Allez, bisous! Ciao, ciao! Bon, je vous retrouve après avoir récupéré la chambre d'hôtel. On a pris entre temps une petite douche parce qu'après la journée qu'on a eue, on en avait bien besoin. On s'est changé aussi pour se faire un petit resto ce soir. Et j'ai mis ça, mais vous inquiétez pas, je vais pas sortir avec. C'est juste que j'avais commandé ces petits accessoires à la base pour faire un shooting photo pour mon anniversaire. Sauf que je les ai reçus beaucoup trop tard. Donc du coup, on va improviser un petit shooting photo dans la chambre.
j'ai commandé, vous allez voir, des ballons sur Amazon. Enfin, Victor m'a commandé des ballons sur Amazon. Donc voilà un petit peu comment est la chambre. Et là, il y a un big miroir. Ça, c'est sympa. Et là, du coup, vous avez la salle de bain. C'est pas une très grande chambre, mais je trouve qu'elle est bien agencée. Ils nous ont mis des petits produits rituels. J'adore cette marque. Là aussi, on en a de nouveau. C'est pas fini, alors je te jure, elle est pas tombée. Ça va, ça vient, elle est pas tombée. C'est pour ça. Bon, j'enlève ma couronne ou je garde ma couronne pour le... Je garde ma couronne pour le restaurant. Mais non, je vais pas la garder. Si tu pouvais, tu l'aurais fait. Si je pouvais. I'm ready. C'est pas un wedding. I'm ready. Elle est où? Mais non, mais... Merci beaucoup. Ça, c'est pas pour moi. Bon appétit. Bon appétit. Ça allait bien, je vous retrouve dans une nouvelle journée. Je parle pas très fort parce que Victor dort encore. Je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Debout là-dedans. Est-ce que t'es prêt pour cette nouvelle journée, Bibou? Oh, Bibou. Pas au réveil, on attend. Salut à tous, c'est Mélodie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog sur Londres. Alors Londres qui est une ville qui se compose de la Tamise qui est un grand fleuve. Après nous sommes aujourd'hui sur le Tower Bridge, aussi appelé la Tour de la Terreur. Ça vous permet un nouvel épisode de notre magnifique documentaire animalier, les gazelles de Dubaï. Les gazelles de Dubaï qui sont non plus à Dubaï, mais plutôt à Londres. Ce petit voyage, ce petit trajet, cette petite aventure au travers de cette magnifique bourgade qui s'appelle Londres. There's no time to waste, I'm busy like 24 hours a day. Responding to every fan, I'm talking to people from all over every continent. I'm feeling the weight of the world and the pressure been building. I'm ready to feel in my destiny, everything's set for me. No one was meant to be praying for my enemies. Cause I've been growing, I've never been slowing. I live in the moment, I've been in control. And I'm ready for more and I'm taking it all. And I'm never gonna fall cause I know I want the world, yeah I want the world. Yeah I want it all, said I want the world. Yeah I want the world, I'm coming to get it. Don't care what you heard. Don't care what you heard, I'm taking it all cause I want the world. Yeah, I want the world. Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away.
Nouvelle journée, du coup aujourd'hui on est dimanche 16 avril et c'est notre dernier jour à Londres. Bon, je termine de me maquiller et puis on se retrouve juste après. Bonjour, on se retrouve pour ce 428e jour à Londres, de balader à ce qu'on appelle le palace de Charlie Charlot, du roi Charles. Alors, le cadrage, ça me fait toujours bien plaisir. J'ai fait ma grosse touriste. J'avais amené des petits souvenirs pour mes parents qui gardaient les chiens en plus. La direction, le restaurant, le dernier restaurant du séjour avant de reprendre du coup l'Eurostar. Vous oubliez quand même.